suis heureux de vous retrouver dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous allons parler pendant toute cette semaine de remporter la victoire sur nos pensées. Je crois que Dieu va venir libérer aujourd'hui et pendant cette semaine, le Seigneur va particulièrement aujourd'hui guérir des cœurs brisés. Si vous êtes oppressé dans vos pensées d'une manière régulière ou peut-être simplement aujourd'hui en vous réveillant, je crois que le Seigneur va venir extirper, enlever tout ce qui n'est pas de lui afin que vous puissiez vivre la grâce d'avoir des pensées douces. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous partager sur ce thème, découvrez le privilège d'avoir des pensées douces. À partir d'un passage qui se trouve dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 8, qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Et je crois que nous pouvons avoir des pensées douces, des pensées pures, des pensées aimables. Et on va aller tout de suite dans la parole, dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le seul moyen d'avoir des pensées douces, c'est de venir à Jésus. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des pensées douces. Qu'est-ce qu'une pensée douce? C'est une âme qui est déchargée de toute oppression, de tout fardeau quelconque. C'est une âme qui est en paix, qui est pleine de joie, qui est rassurée. C'est une âme qui n'est pas inquiète ou inquiétée. C'est une âme qui est douce comme le vent, peut aller ici et là, sans obstacle. De la même façon, le Seigneur Jésus veut que nous puissions entretenir des pensées qui sont pleines de douceur. Et la parole de Dieu déclare que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et ce n'est pas d'abord extérieurement ou par nos paroles ou nos façons d'agir que la douceur va être connue ou que la douceur va pouvoir s'exprimer. C'est avant tout un état d'esprit, un état de cœur, un état également émotionnel de paix et de douceur. Je peux désirer que ma douceur soit connue de tous parce que je réalise cette vérité et même ce commandement, ce désir de Dieu, que ma douceur soit connue de tous les hommes. Et j'aimerais vous le dire, oui, parce qu'on n'en parle pas forcément souvent, la parole de Dieu nous encourage à être doux. Jésus dit, moi je suis doux et je suis humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez vous trouver aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au cœur de la tempête, au cœur d'une terrible tempête, peut-être la pire que vous n'avez jamais vécue. Peut-être ça fait quelques jours, peut-être ça fait quelques semaines, ou encore ça fait quelques années. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en un instant, par le souffle de sa bouche, peut faire fuir l'ennemi, les mensonges, les murs de destruction, de déshonneur, de découragement, d'apitoiement, de dépression qui ont pu vous accabler depuis tant de temps. Il suffit d'une parole de sa bouche. Il suffit d'un toucher de Jésus-Christ. Il suffit que vous puissiez, vous, venir à lui, vous approcher de lui. Et votre situation sera complètement transformée. Comme cette femme dont on prend souvent l'exemple, qui avait cette perte de sang depuis bien des années et qui s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Il a suffi seulement d'un toucher. Juste toucher le bord de son vêtement. Oui, le bord suffira, mon frère, ma sœur. Le bord suffira, mon ami. Si tu touches seulement le bord du vêtement de Jésus, ça veut dire que tu n'as peut-être pas toute la révélation de qui il est. Tu n'as peut-être pas la révélation de son visage, de son cœur, de tout ce qu'il est. Si tu as simplement la révélation du bord de son vêtement, tu seras touché, tu seras guéri, tu seras transformé. Oui, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés. Ce n'est pas une question du sexe de la personne,
de l'origine ou des œuvres bonnes que la personne aurait pu faire. Jésus s'adresse à tous les hommes. C'est une invitation pour tous les hommes. Et la Bible déclare qu'avant même que nous puissions le connaître, que nous puissions l'aimer, c'est lui qui nous a aimés le premier. J'étais cette semaine en train de marcher dans les rues de ma ville, le matin assez tôt, et on met des ardoises où les gens peuvent écrire toutes sortes de choses. Et j'ai écrit ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je l'ai signé, bien sûr, Jésus. C'est une invitation pour tous les hommes de venir à Jésus-Christ. Et ce n'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas sauvés, c'est aussi pour ceux qui lui appartiennent déjà. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vous êtes fatigué dans votre âme, si vous êtes tourmenté ou c'est peut-être une fatigue qui lance, qui revient, vous êtes lassé, vous n'avez plus de joie, ou peut-être vous êtes oppressé. Si vous êtes chargé d'une quelconque manière, vous pouvez obtenir des pensées qui sont douces. Peut-être en vous, c'est de la colère. Peut-être en vous, c'est un esprit de jalousie. Peut-être en vous, c'est un esprit d'infériorité ou encore un esprit de dispute, d'injustice. Vous êtes oppressé parce que vous avez peur. La peur de manquer, la peur de tomber malade, la peur de mourir. Jésus a fait une promesse, elle est véritable. Elle est oui et amen. Il n'y a pas de peut-être en lui. Tout est oui et amen. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il y a un repos qui nous est promis, que seul Jésus peut donner. Un tel repos dans nos âmes, un tel repos dans nos pensées, qu'en un instant, c'est comme si on se retrouve au ciel. C'est comme si tout ce qui était passé, ça n'est plus là en effet. On est libre, on est en paix. Paisible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelqu'un qui a été délivré de mauvais esprits. Comment une personne peut être tourmentée, les esprits peuvent crier, faire toutes sortes de choses, et quand la personne est libre, son visage est restauré, son visage est changé, sa respiration est changée, son regard est transformé. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue complètement libre. La Bible déclare, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et aujourd'hui, dans ce temps de prière, j'aimerais t'encourager à entrer dans ce calme et à entrer dans cette confiance. Tu peux lui faire confiance. Tu peux avoir confiance en lui. Il n'est pas une eau qu'on boit et qui déçoit. Il désaltère vraiment. Il met dans le désert une oasis. Il met dans le désert une rivière. Il met dans le désert une source d'eau vive. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors comment faire lorsqu'on est oppressé? Comment faire lorsqu'on est découragé? Comment faire lorsqu'on est tourmenté? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Lorsqu'on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Nous n'avons plus besoin de rougir. Toute la honte s'éloigne. Cette douceur dans les pensées trouve sa source dans l'humilité, dans une communion avec Dieu, sincère. Pour obtenir cette douceur dans l'esprit, pour obtenir cette douceur dans l'âme, il faut venir à lui avec humilité. On sait ce qui est arrivé à ce roi, Nebuchadnezzar, parce que son cœur s'est enorgueilli. Ça a été la chute. Quand Hérode s'est enorgueilli, ça a été la chute. Quand Osias s'est enorgueilli, ça a été la chute. Mais par contre, l'humilité précède la gloire. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, frères et sœurs, dans la prière, et que nous venons avec humilité, tel que nous sommes, parce que son amour dépasse tes fautes, parce que son amour dépasse toutes tes impossibilités, toutes tes incapacités, son amour dépasse ton rejet, son amour dépasse tout ce que tu peux ressentir de mal, de mauvais. Son amour est tellement fort et son onction est tellement forte, sa grâce est tellement forte comme la pluie qui tombe et personne ne peut l'arrêter. Aucun homme ne peut arrêter la pluie qui tombe. Si Dieu l'a décidé, la pluie tombera. On ne pourra pas l'arrêter.
Et de la même façon, lorsque tu viens à lui, dans la prière avec humilité, sachant que tu ne peux rien par toi-même, mais que tu as confiance en lui plus qu'en toi-même, plus qu'en tes propres œuvres, plus qu'en ta piété, plus qu'en tes prières. Quand nous nous tournons vers lui, quand nous tournons nos regards vers lui, comme le peuple d'Israël qui, mordu par les serpents, alors que c'était la fin, il leur restait quelques instants avant de périr, ils ont juste eu à regarder au bâton de Moïse. En un instant, ils ont trouvé la vie. Ceux qui étaient morts ont trouvé la vie. Ceux qui criaient de douleur ont pu rire de joie. Ceux qui étaient oppressés ont été instantanément libérés par un seul regard. Un seul regard. Ils regardaient vers Christ. Ils regardaient vers celui qui a été abattu, celui qui a été maudit à notre place. Lorsque son onction descend, lorsque sa présence descend dans la prière, alors que tu t'abandonnes simplement, ce n'est pas une question de tes mots, ce n'est pas une question d'un vocabulaire qui serait beau, qui serait magnifique, d'une belle voix. C'est une question de cœur. Juste une question de cœur. Seigneur, moins de moi, plus de toi. Moins de ces oppressions, prends-les toutes, plus de toi. Pour cela, il faut prendre du temps avec lui. Pour cela, il faut prendre du temps dans sa présence. Comment on peut avoir des pensées douces? C'est en étant baigné dans sa présence. Enveloppé par la présence de Dieu. Rempli, inondé de la présence de Dieu. Dans le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 22 et le premier verset, il est écrit « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Là où vous êtes peut-être chargé, oppressé, dans ce temps de prière, alors que nous venons à lui avec humilité, pour être inondés de sa douceur, inondés de sa présence, inondés de sa gloire. Nous pouvons obtenir des pensées qui sont douces, déchargées de toute inquiétude, déchargées de toute question, questionnement qui deviennent comme des oppressions, des tourments, des pensées douces. Afin que de la tête jusqu'aux pieds et des pieds jusqu'à la tête et dans nos pensées, il n'y ait pas de mur, il n'y ait pas de forteresse. Il n'y a rien qui oppresse, rien qui afflige, rien qui tourmente, rien qui nous amène à être comme des vagabonds mendiants, oppressés, tourmentés. Car le Seigneur ne t'a pas appelé à être oppressé. Et le chemin sur lequel tu te trouves n'est pas forcément le chemin qu'il avait prévu. Mais avec cette épreuve, il te donne le moyen d'en sortir. Car il y a une porte. Je vis une porte dans le ciel. Et j'entendis une voix qui me dit, monte plus haut. Merci Saint-Esprit.
chose. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime. Car les filets qui t'avaient environné, le piège dans lequel tu avais été capturé, les oiseaux de malheur, de malédiction, qui avaient mangé ta bénédiction, qui avaient volé ta paix, le voleur qui est venu la nuit et qui t'a fait peur, l'ennemi qui t'a distrait, le méchant, l'impie, l'homme de destruction qui t'avait oppressé. Le Seigneur te libère de tes oppressions. Le Seigneur te libère de tes souffrances. Le Seigneur te libère de l'accusation. Le Seigneur te libère de tes douleurs. Le Seigneur te libère de l'oppression affligeante, l'oppression qui t'accablait, qui t'affligeait, comme le peuple en Égypte, chargé, affligé par des corvées, affligé par le bâton dur de l'ennemi, affligé par les coups, car celui qui te frappait, celui qui frappait les nations avec acharnement, le bâton qui te frappait est jeté au feu. L'oppression qui te décourageait est abattue à terre, car tu es abattu à terre, toi l'ennemi qui venait pour ravager. Tu n'es qu'un homme, un ver, tu ne seras plus jamais rien. Car le Seigneur, par le souffle de sa bouche, détruira l'impie. Car le Seigneur a un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, ressuscitera ceux qui sont morts. Et nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, sur les nuées, et nous le verrons face à face.
Merveilleux Saint-Esprit, tu libères maintenant de l'oppression. Prends ces âmes chargées. Et souffle sur elle. Esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de grâce, esprit de toutes sortes de bontés, esprit de bénédiction, de faveur, esprit de joie, esprit bienveillant, esprit de foi, esprit de gloire, esprit de résurrection, souffle, souffle des quatre vents, souffle, Saint-Esprit. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, mon ami, abandonne-toi à lui maintenant. Ne fais pas comme d'habitude. Ne retiens rien. Si tu le peux, là où tu es, mets-toi même allongé sur le sol. Laisse-toi envelopper par lui. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Et je te conserve ma bonté. Car tu as du prix à mes yeux. Tu vaux plus que les oiseaux du ciel. Tu vaux plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Car je t'ai désiré. Car je t'ai voulu de tout mon cœur. Car j'ai aimé le jour où tu es né. Je t'ai aimé. Je t'aime. Bannis l'inquiétude. Rejette les mensonges, les accusations infondées du destructeur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Et nous renversons toute pensée qui s'élève prétentieusement contre la vérité de l'Évangile, contre ce qui est vrai et pur, contre ce qui est bon, contre ce qui est digne de louange, contre ce qui mérite l'approbation, contre ce qui est vertueux et saint. Au nom de Jésus-Christ, l'oppresseur, est brisé. L'oppresseur fuit maintenant. Fuit maintenant. Le Seigneur te rend libre. Le Seigneur libère ton âme de tout tourment. Les oppressions s'envolent. Elles s'envolent.
elle quitte ta vie. Reçois maintenant la délivrance. Reçois la guérison dans tes pensées. Alors que plusieurs se repentent maintenant, dans l'humilité, abandonnent tout, délaissent tout, toute chose qui pallie à sa lumière, abandonne le mal, attache-toi au bien, fermement. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'adorons, Jésus-Christ, car tu fais une œuvre extraordinaire. Car tu fais une œuvre merveilleuse. Une œuvre de paix. Lorsque nous montons plus haut, alors que dans la vallée, on fait un veau d'or, nous montons sur la montagne. Car qui montera à la montagne du Seigneur? Celui qui a un cœur pur, les mains innocentes, car tu nous as purifiés, car tu nous as innocentés. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Tu t'es approché jusqu'à nous. Tu nous portes sur des ailes d'aigle, dans les lieux élevés. Tu nous transportes plus haut. Seigneur, merci. Je veux te glorifier, car tu nous amènes sur cette montagne de gloire, de paix et de bénédiction. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous élèves plus haut, plus haut. Et là, dans ta gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous te voyons face à face. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Père.